première fabrique, le numéro 10. Et on va retrouver... Et derrière la Merlin de Yves Vitaman, on retrouve bien sûr allez c'est parti pour Rémi Oran et le numéro 3 Alain Facon. Et normalement, on en a terminé avec cette montée chronométrée de la matinée. Avec
De très loin. Mais bravo, tu concrétises un petit peu cette journée, tu concrétises un peu cette saison. Elle n'est pas finie, c'est vrai, mais une belle victoire de groupe et de classe. Moi, je dis encore une fois bravo, on se verra tout à l'heure à la remise des prix, mais ouais, belle félicitation. Merci, merci aux spectateurs aussi. Et à Geoffrey. Et à mes fils, mes loulous. Bravo, Yuri. Merci, promis. Mais les essais chrono ont été un petit peu compliqués. C'est vrai qu'on a eu deux personnes qui, bien dommage, qui ont un petit peu froissé les autos. Et ça, ça nous fait jamais plaisir. Mais je crois que cet après-midi, il y a eu une super bagarre, il y a eu une super victoire, surtout des super victoires. Parce que je crois que. Et sur cette quatrième marche, on le retrouve, il est pas loin de moi, il est là, voilà. C'est Pierre-Louis Foulien, viens me rejoindre, Pierre. La quatrième marche, ouais, voilà, bravo, parce que c'est vrai que la première des voitures proto, on va dire. Et puis une excellente troisième marche. Et lui, il lâche pas la combinaison pendant toute la semaine. C'est vrai qu'il va dormir avec. Je sais même pas comment il va faire quand il va la démonter parce qu'elle va être toute. Mais bon, bref, il est troisième. Il est surtout premier du groupe M. C'est Geoffrey Carcrèpe. La troisième marche, ouais. Je disais, Alain, il y avait aujourd'hui une équipe de pilotes et puis il y avait une autre voiture, un autre personnage, c'est vrai, c'était bien sûr Alain Le Sauce. Mais je crois que tu te débrouilles très très bien parce que tu as amélioré tout au long de cette journée. Ça prouve quand même que les affaires reviennent, que le rythme revient. Et je dis bien, on essaie de se donner rendez-vous à Pourville cette année
On verra bien ce qui se passera parce qu'il y aura du bon monde là-bas, c'est vrai aussi. Mais bon, n'empêche que, ouais, belle journée aujourd'hui pour bien sûr la deuxième marche, Alain Facon. Et puis regardez, regardez là-bas, il voulait partir avec le numéro 1, il est pas parti avec le numéro 1, il est parti avec le numéro 201. C'est le vainqueur d'aujourd'hui, Alain Le Sauce, ouais. Alors Pierre, ben, je crois que, c'est vrai qu'il y avait quand même des sacrés clients. C'est vrai que belle journée, je crois, il y a eu du soleil, il y a eu une organisation qui a été.